Wowdy Webull est enfin sorti de prison, les gars. Oui, je sais, j'ai mis un peu de temps à sortir la news, mais frérot, faut bien que je me repose de temps en temps. Je suis pas une machine, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, il est sorti de prison. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un proche de Bobby Shmurda. T'as dû le voir dans le clip Hot Nigga. C'est lui qui a fait Computer avec Bobby Shmurda, ainsi que Shmoney Dance. On parlera pas que de ça dans cette vidéo. On parlera aussi de Da Baby. On parlera aussi de Bobby Shmurda qui a réagi. Donc restez bien connectés, les gars. Partagez cette vidéo. Mettez un pouce bleu et sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, n'oubliez pas le concours qui est toujours disponible sur le compte Instagram de We Are Chain Nation pour gagner un bijou d'une valeur de 1000 euros sur leur site. Pour participer, c'est très simple, abonnez-vous à leur compte Instagram et taguez deux potes à vous sous cette publication. Rowdy faisait partie du groupe DS9, là où il y avait Bobby Shmurda. En gros, c'est un peu un gang, tu vois. Et quand Bobby Shmurda il a sorti son morceau Hot Nigga, bah, je pense que maintenant, vous le savez tous, que Bobby Shmurda, il a un peu balancé son gang, genre les activités illégales que ses potes faisaient. Du coup, la plupart sont béton. Il y en a, il a pris 100 ans de prison. Quand la juge, elle a annoncé qu'il allait prendre 100 ans, le gars, il a dit « Ouais, suck my... » Bref, vous connaissez la suite. Pour ce qui est de Bobby Shmurda et Rowdy, il y en a plein, ils n'ont pas compris. Rowdy, il devait prendre 7 ans. Mais Bobby Shmurda voulait pas que son pote Rowdy prenne une peine grosse, tu vois, parce que 7 ans, c'est quand même gros. Il a accepté de faire 2 ans de plus pour que Rowdy, il ait que 5 ans de prison. Jusque-là, t'as compris, Rowdy, il a été arrêté en 2016 et il est sorti en 2020, ça fait 5 ans. Il a été arrêté pour plusieurs motifs, vente de drogue, possession illégale d'armes à feu et tentative de meurtre. Plusieurs grosses personnalités ont réagi, telles que Cardi B, French Montana, Designer, plein d'artistes ont réagi au retour de Rowdy. Dans la vidéo, t'as pu le voir, ses acolytes du DS9 lui ont offert plusieurs liasses de billets et un trajet en jet privé pour son retour. Yeah. Peace out, my boy. How I look? Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Bobby Shmurda a réagi. C'est en live Instagram qu'il s'est exprimé. Bobby, il dit « J'aime tous mes fans, j'apprécie tout le soutien. On sera bientôt de retour, ne vous inquiétez même pas. » Et Rowdy, il a pas perdu de temps. Il est déjà en train d'enregistrer au studio. Je ne peux pas vous passer le son, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sera de la drill. Pas la drill de Chicago, mais de New York. Maintenant, passons à l'autre news sur DaBaby. DaBaby, il est tranquillement parti au McDonald's et il est tombé sur un employé qui faisait du rap. C'était à Charlotte, en Caroline du Nord. Et là, vous allez dire, mais pourquoi l'employé, il s'est mis à rapper? Bah, il a vu DaBaby, il a tenté sa chance. 70 racks on the rollie. All yeah. of these busted, but no, I ain't holy. I walk in the spot and they like, holy moly. They go that boy and that nigga, he dolly. Nobody trying, cause everyone know me. Crippin' like Nipsey, but shooting like Kobe. Passed it again like a Manu Ginobili. Man who's like Harder, who really gon' hold me. I'm smoking on OG. Blue rolling papers came straight from the OG. Real Crip nigga, they say I be OD. Real sticks nigga, so who gonna blow me? You saying I'm pussy, so boy, come and show me. I'll get you tagged if you think you gon' tell me. I'll get you backed if I call him my homie. Nigga, no cap in my rap. Ain't phony, my numbers was down, I was all by my lonely. Numbers went up, now they all acting phony. DMs be jumping, these hoes wanna phone me. Niggas be watching, but but I got it on me, and so do my homies. Get that shit cracking in front of the police. I already know that you work for the police. Don't give a fuck, but you ain't finna homie. You better bottle me, shovel and homie. Whole lot of money, you know I ain't tripping. Whole lot of bottles, I'm popping, I'm sipping. Whole lot of bitches, I'm throwing, I'm tipping. Whole lot of sticks with a lot of extensions, just in case they mention mouth and they mention. Believe that. Et DaBaby a tagué l'employé dans sa story Instagram. Et je crois, si je dis pas de bêtises, il a pris 60 000 abonnés. C'est pas rien. Donc espérons qu'on le voit très bientôt dans le monde du rap. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur DaBaby. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news principale sur Rowdy. Moi, quand j'ai vu la news, enfin on me l'a envoyé, j'étais choqué en mode. Wesh, il est déjà sorti, j'étais même pas au courant qu'il allait sortir cette date-là, t'as vu? Et regardez l'engouement que ça a fait. Tous les artistes qui ont réagi, Cardi B, French Montana, Designer, et il y en a d'autres. Comment il a été accueilli, et vous avez vu sa chaîne, bordel.
La chaîne qu'il a, Rowdy. Oh là 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 là. Gros, elle brille dans le noir. Quand je te dis elle brille dans le noir, c'est pas le diamant qui brille. Enfin, j'essaierai de vous trouver une vidéo et vous la mettre. Comment elle est magnifique, sa chaîne. Enfin, surtout les pendentifs. Donc, les gars, imaginez le retour de Bobby Shmurda. Oh là là là. En gros, ça va être quelque chose d'incroyable. Hey Bobby, quand il va revenir et il va casser des boules. Hey, ça va être lui le roi de New York. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she Lego, ooh. Lego, never Lego. Yeah. Him, I stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Killer, need my dinner, open the hoe. Hit my metro, if it's about the pencil, yeah. Like it's go Diego. Make it right, don't schedule. Hey. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. Ooh. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Hey. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.